Salut à tous, c'est la Chips et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de Don't Starve. Alors Don't Starve, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu qui ressemble fortement à Minecraft, dans les idées en tout cas, par rapport au fait qu'on peut tout faire au niveau création. En fait, je vais être un peu plus précis. On récolte des ressources et on crée des items et ensuite on peut se faire une espèce d'abri avec des bois, des bouts de bois et tout. La partie où on voit que c'est vraiment comme Minecraft, c'est la partie récolte des ressources. On peut récolter toutes les ressources qu'on trouve dans la nature pour ensuite en faire quelque chose, les crafter sous forme d'outils ou ce genre de choses. Donc là on a un bonhomme qui nous dit qu'on n'a pas l'air d'aller bien et qu'il faudra qu'on mange pendant la nuit. On a intérêt à manger, à trouver à manger en tout cas. Donc là on a une carotte déjà, c'est cool. Enfin bref, c'est vraiment un Minecraft-like avec des graphismes complètement différents. Et d'ailleurs, les graphismes, je trouve qu'ils sont énormes. Dans le sens où ça fait un petit peu croquis, dessin. Et ça va bien avec l'atmosphère du jeu qui est plutôt sombre en fait. C'est dans le même principe que Minecraft, mais un peu plus poussé à ce niveau-là. C'est-à-dire que la nuit, il y a des monstres et tout. Là, c'est vraiment une atmosphère beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque. Et ça rend ce jeu vraiment, vraiment énorme. Donc je vous le conseille vivement si vous voulez l'acheter. Pour l'instant, en tout cas, je l'ai trouvé qu'en anglais pour le moment. Peut-être que à l'heure où je mets cette vidéo ou à l'heure où vous la regardez, elle est sortie dans une autre version. Enfin, le jeu est sorti dans une autre version, je ne sais pas. Mais pour l'instant, elle n'est qu'en anglais. Mais c'est pas très grave. Donc je pense qu'on va faire une suite de vidéos là-dessus. Et jusqu'à ce que je meure, parce que le principe de jeu c'est que lorsqu'on meurt, on ne revit pas. On a une seule vie et quand on meurt, la partie est finie. Il faut en recommencer une autre. Et un système d'expérience, c'est-à-dire que à chaque fin de partie, on gagne de l'expérience en fonction du jour, du nombre de jours qu'on a réussi à faire. Et après, on peut débloquer de nouveaux personnages. Par exemple, moi récemment, j'ai débloqué un personnage féminin. Qui peut. Alors, elle est pyromane, je crois, et elle peut brûler des choses pendant la nuit, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vais pas vraiment essayer. D'après ce que j'ai compris, elle peut allumer. Enfin, elle peut faire un feu pendant la nuit, je crois. Alors, on va déjà récolter les ressources de base hein, pour pouvoir faire un petit peu tout ce dont on a besoin. Donc là, vous avez vu que j'ai fait une hache qui a une durée de vie limitée, comme on voit ici. Ici il y a une jauge de santé, ici une jauge de mental, de santé mentale. Non, la jauge de santé ici, la jauge de santé mentale et la zone de faim. Enfin, jauge de faim. Ici on a une sorte d'horloge qui nous indique à peu près à quelle période de la journée on se situe. Donc le noir, vous l'aurez deviné, c'est la nuit. Alors on va prendre du bois. A gauche, ici dans cette colonne, on a un petit peu la liste des crafts en quelque sorte. Ce qu'on peut fabriquer. Alors, dans un sens, c'est plus simple que Minecraft, dans le sens où on a déjà. On n'a pas de recette de craft, si vous voulez, comme dans Minecraft, où il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre à quels endroits de la table de craft pour pouvoir obtenir l'objet. Là, c'est directement fait, on a déjà l'objet et on clique dessus et on le construit. Mais ce qui est difficile au début, c'est de savoir où récolter les items, comment les récolter, parce que j'ai pas. Le jeu est tellement récent, pour l'instant il n'y a pas tellement de recul, donc on ne sait pas exactement toutes les possibilités du jeu, donc il reste encore plein de choses à découvrir. Chaque partie découvre de nouveaux trucs, c'est plutôt sympa. On a combien de bois là? On a 10. On va continuer. Hein. Ça il nous en faut aussi. C'est important. On essaiera de se nourrir parce que c'est la chose à chaque fois qui me fait crever en ce qui me concerne, le manque de nourriture. C'est vraiment vraiment difficile d'être comblé à ce niveau-là dans ce jeu. Il faut faire gaffe. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Voilà, donc là, il y a des rochers ici. On pourra avoir de l'or, je pense. Donc là, en gros, il nous dit qu'il commence à être tard, donc on voit le cadran, l'aiguille qui est dans la partie rouge du cadran de l'horloge, et ça indique en fait que c'est
c'est la nuit qui va pas tarder à tomber. Donc l'heure à laquelle les monstres peuvent commencer à apparaître. Enfin, il me semble. Donc c'est ce qui va nous faire penser qu'il faut bientôt faire un feu, pardon. Un feu de camp là. Donc dans ce menu ici. Alors il nous faudra. Ok. Il faudra des rochers pour faire un énorme feu. Je pense que ce sera pas pour tout de suite. Donc là, on a de l'or. Hop. J'aime bien ce type de terrain, de biome, parce qu'il y a beaucoup de roches et les rochers sont assez importants au début, pour commencer. Aussi après, mais au début je pense que c'est le moment où ça commence à vraiment être important, ne serait-ce que pour créer les objets, hein, c'est assez important. Voilà, donc là on va pouvoir faire le gros feu ici. Hop, hop, hop. Allez. Allez. Donc on va faire le plein, hein. Tout de suite. Ah, d'accord, j'en ai plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la machine de science. Bah, je vais la mettre ici. Avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Ça, j'en ai une. Ça me servira pas pour le moment. Je peux pas en avoir besoin. Ça non plus. Alors. Ça, on va en faire, mais il serait peut-être plus judicieux déjà de faire notre feu. Mince, il va me manquer du bois. Non, il va me manquer ça, d'accord. Bah, je vais me faire une pioche alors, rapidement. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc on va faire le feu, hein, rapidement. Parce que là il va faire nuit dans très très peu de temps. Voilà. Alors, voilà. J'ai eu chaud parce que là, un peu plus de temps et je vais me faire taper par les monstres. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va faire des planches. Alors, des planches. Hop. Est-ce qu'on peut en refaire? Non, j'ai pas assez. Une corde, bah tiens, on va en faire. Maintenant on va faire... Ah ça il en faut deux. J'en ai qu'une. Ça qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop à quoi ça sert. Use the pointy. On va voir. D'accord. Ok, je viens de comprendre. C'est pour chasser tout simplement. Ça... Ok, alors avec ça, on va pas faire de panneaux parce que ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut faire cuire des carottes? Tiens, ouais, on peut, génial. Je viens de l'apprendre. Je suppose que. Ah, on peut aussi faire cuire des graines. Qu'est-ce que ça donne? Des graines cuites, d'accord. Non, ça, non. Non plus. Non plus. Regarde, hein, tout ce qui peut éventuellement aller avec le feu. À part. Merde. Voilà, le jour est repris. On va pouvoir continuer. Hop. On va voir s'il n'y a pas moyen de chasser un peu pour choper de la nourriture. Ce serait cool. Par exemple, avec. Bah, pas avec ça du coup, parce que l'oiseau est parti. Vas-y, prends. Non. Oh. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut... Non, il est parti. Je pense que ça va être pareil avec les lapins, donc je vais pas insister, ça sert à rien. Par contre, je récupère du bois. Tac. Il va falloir la masse pour faire ma forteresse, parce que c'est un grand mot, mais ce qui va me permettre de me protéger un minimum, quoi, ce serait bien. Tac, tac, tac. J'aimerais bien les attaquer quand même, mais je peux pas. Je peux pas. On
On va terminer cette voilà. Appui pioche. Enfin appui appui H. Donc là l'intérêt de ce feu là, de ce truc, celui-ci, c'est qu'on peut le recharger. Contrairement à celui-là, c'est-à-dire qu'on peut remettre des bûches dedans ou du charbon pour que ça marche à nouveau, alors que celui-là on peut pas. Donc celui-là est plutôt intéressant si on a l'intention de créer une sorte de base. Sinon, bah autant prendre l'autre. Ça coûte moins cher et puis voilà, c'est tout. Approprié. Oula, on commence à avoir faim là, il va falloir manger. Ça tombe bien, je vais cuire des carottes. Alors. Ah bah dis donc, les carottes c'est cool. Enfin, quand elles sont cuites en tout cas. Tac, tac, tac. Et on va casser celui-là. Alors on va changer la vue, voilà. Donc il y a possibilité de se déplacer avec les touches W, D, S et A, A, S, D, W, ou alors avec le clic de la souris, comme je fais moi en tout cas pour LOL par exemple, où on se déplace avec le clic de la souris, que je trouve que c'est plus pratique que les touches, parce que c'est en QWERTY, vous savez, c'est les touches de déplacement anglaises. Donc c'est pas, enfin je trouve que c'est pas terrible. Enfin moi j'aime pas trop, après chacun son avis, hein, chacun ses préférences. Mais je trouve que le déplacement avec la souris est pas mal. Et il y a possibilité de bouger le paysage, de changer d'angle de vue avec les touches Q et E. Alors je vais retourner ici, manger une carotte moi. Hop hop hop. Tiens, il y a un lapin, je vais essayer de le tuer. Ah, je peux pas. Dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai moyen de faire là? Cutstone. Je vois pas à quoi ça sert les cutstone pour le moment. On va voir dans structure. D'accord. Ouais, ok. Pig house. Ah, ça c'est bien ça. Mais c'est utilisé, ouais, pour. Ça doit être que pour loger les cochons. Ça doit pas être possible pour nous, malheureusement. Rabbit hutch, c'est inutile ça. Room for one giant rabbit. Ah d'accord. Je sais pas. Use an alchemy engine to build a prototype. Ah, il faut un truc d'alchimie, un truc d'alchimie. Ah ouais, j'ai pas. Ouais, une cage à oiseaux. La cobble, pourquoi faire? Attendez, est-ce qu'il y aurait pas un truc? Ah voilà, c'est ça, avec alchemy engine. Unlock even more crafting recipe. D'accord, donc il faut des planches, de la cutstone. Ah voilà, c'est ça qu'elle sert. Et des gold nuggets, des pépites d'or. D'accord. Et ben, c'est parti alors. Je vais faire ça. Il faut que je trouve, du coup. Non, c'est pas celui-là. Tiens, c'est quoi ça? Intermetteur. Ça c'est inutile. Bref. Donc il me faut beaucoup plus de bois. Il m'en faudrait 3, 12. Bah c'est bon, j'ai assez je crois. Et ça j'ai... Oui j'ai assez. Enfin je pense. Et ça il faudrait que je trouve deux trucs. Deux rochers qui peuvent éventuellement contenir de l'or. Donc ce que je vais faire c'est que... Je vais faire ça. Tac. Tac. Ok, donc ça c'est fait. Il me faut ensuite cutstone. Ça. Il en faut donc deux. Non, reste là. Il m'en faut donc deux. Voilà. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai débloqué? Non. Parce que ça sert à rien. Lightning Rod Protection. Protection from strike. Protège des éclairs, ouais mais non, parce que ça me sert à rien en fait de me protéger des éclairs.
Ah mince, ça j'avais zappé, j'avais pas réfléchi. J'espère que j'aurai assez. Ouais, c'est embêtant ça. Je vais aller. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je peux mettre comme carburant? Bah tiens, je peux mettre ça. Hein. Voilà, ça devrait suffire pour le moment. Non, je vais pas faire ça. Seeds, je vais les faire cuire. Hop là. Ça restaure pas beaucoup quand même. Ça sert à rien, ça, de manger ça. C'est quoi l'utilité? Les pétales. Aucune idée. Bon. Eh bien, c'est sûr cette nuit que je vous laisse et que je vous dis à bientôt pour un second épisode de Don't Starve, ce jeu énormissime et addictif. Allez, ciao.